100% logique, la réponse est sous vos yeux. Le quiz qui met à l'épreuve le sens de l'observation de 100 candidats reviendra prochainement sur France 2 pour de nouveaux numéros. Les enregistrements viennent de débuter. Cyril Perrault a repris le chemin des plateaux de tournage. Ce jeudi 6 avril 2023, l'animateur a donné le coup d'envoi de l'enregistrement pour France 2 de nouveaux numéros de 100% logique, la réponse est sous vos yeux, comme il l'a lui-même annoncé sur son compte Twitter il y a quelques heures. On y retourne et on est heureux, a-t-il écrit à l'adresse de ses fans. Dans ce jeu adapté du format britannique The 1% Club, 100 candidats mettent à l'épreuve leur sens de l'observation pour répondre à une série de questions qui vont de la plus facile, à laquelle 95% des Français peuvent répondre, à la plus difficile, pour laquelle seul 1% de la population a la bonne réponse. En jeu pour le vainqueur, 100 000 euros. Sur le plateau, des personnalités sont présentes à chaque numéro pour soutenir les candidats. 100% logique bientôt de retour sur France 2, on relance une session de tournage car le programme fonctionne bien, succès des précédents numéros de 100% logique oblige, France 2 va mettre en boîte 4 numéros inédits lors de cette nouvelle salve d'enregistrement pour une diffusion envisagée entre septembre et décembre, vous révèle Télé Loisirs. Lancé à la rentrée 2022 sur le service public, le jeu de Cyril Perrault a été d'emblée un succès avec une moyenne selon Médiamétrie de 2,65 millions de téléspectateurs, soit une part de marché de 14,9% le 24 septembre 2022. Un bon niveau pour la case du samedi soir de France 2. Un record d'audience pour le dernier numéro diffusé sur France 2. Les audiences des 5 numéros suivants ont été crescendo, avec une légère évolution du format à la clé pour répondre aux attentes du public. Le 25 février dernier, le quiz, toujours programmé le samedi soir, a même fait preuve d'une remarquable résistance face au retour de The Voice sur TF1. Ce soir-là, Cyril Perrault a été suivi par 2,89 millions de fidèles, soit 15,5% du public. Le dernier numéro en date, proposé le 11 mars, a établi un record depuis son lancement en réunissant 3,55 millions de personnes, ce qui représente une part de marché de 18,6% sur le public âgé de 4 ans et plus. Surtout, sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, d'à 50, convoité par TF1, le programme produit par BBC Studio France a convaincu 21,5% de cette cible. On y retourne. Et on est heureux demain, reprise des tournages de Dièse sans logique pique. Twitter.com/extisseurjipba. Cyril Perrault @CyrilPerrault, April 5, 2023 à lire aussi 100% logique, France 2, et vous, faites-vous partie des 1% capables de répondre à cette question ?